Excuse-moi, président, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne parle. Et si t'es fan de politique, paraît qu'ils suivent ton programme. On aimerait plus avoir ce verbiage abusif. Nous, on voudrait des actes. Et... Nous trouvons des messieurs qui ont dans des 60, 70 ans qui travaillent encore. C'est pas normal. Une seule chose, motiver les jeunes. Parce que ce pays a besoin des jeunes. Ce pays a besoin d'être motivé. On souhaiterait quand même qu'on ouvre les portes aux jeunes, qu'ils aient des emplois, qu'ils aient des facilités dans des différents domaines qui puissent exister. Congratulations to the president. I really like him to continue in the strike that he has always been through. Always look towards the youth, try to bring out solutions to our problems and try to create more jobs for us because that's what we really need. The government have granted audience to the people by creating numerous government schools, private schools, which are promoting bilingualism, and I think the government is doing much. En ce qui concerne les écoles de formation, en médecine au Cameroun, il y a de plus en plus d'écoles de formation, déjà près d'une dizaine, ce qui n'était pas possible avant, et peu d'États ont ce nombre d'écoles de formation de médecine. Il y a de plus en plus d'écoles privées qui ouvrent, donc l'État a facilité l'accès à l'éducation en permettant la création facile des écoles privées avec la qualité des enseignements toujours du même niveau. Les gens qu'elle nomme ne font pas effectivement leur travail. Durant son dernier septennat, l'artiste, les jeunes artistes au Cameroun n'ont pas été véritablement pris en compte. Il ne peut que dire que la même chose, parce que ce qu'il va dire n'a pas, ça peut pas changer ce qu'il y a là-bas. Ce qu'il va faire comme addition dans son discours traditionnel, qui est presque comme du copier-coller, il va peut-être ajouter, si à jamais il est sage, ajouter le dialogue. Donc si le dialogue avec les anglophones, ceux qui se disent anglophones d'ailleurs. Il ne manquera pas de dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Comme d'habitude, on connaît notre président.